c'est bon. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous saluer au nom de la Fédération syndicale mondiale. Et on se trouve en ce moment au siège de la FSM à Athènes, en Grèce. Et on adresse nos salutations fraternelles à tous les participants qu'on voit ici à l'écran. On vous remercie. On remercie tout d'abord la UNM du Maroc pour prendre cette initiative d'organiser cette téléconférence, ce web séminaire pour les membres et les amis de l'organisation sur l'Internet. Et pour nous, c'est un grand plaisir, une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Et vraiment, on se rappelle de la dernière fois qu'on s'est rencontrés au mois de décembre, il y a quelques mois. On avait participé à votre congrès. Et donc, on garde un souvenir très chaleureux de cet accueil de votre pays, de ce sentiment d'être avec vous et au congrès, dans un congrès organisé par le congrès ordinaire de l'UNDEM. Et on pense les changements, aux changements qui ont pris lieu depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, avec cette crise, avec cette pandémie qui nous a touchés tous. Et donc, je m'arrête là pour vous donner la parole afin de contrôler la discussion. On ne vous entend pas, il faut unmute votre microphone, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Anda. Merci beaucoup également à Madame Barouti, Maria. Je voudrais tout d'abord faire une présentation des personnes qui assistent avec vous. Il y a M. Zuitin Mohamed, c'est le vice-secrétaire général. Le premier vice-secrétaire général, c'est Zuitin Mohamed Zitek. Voilà. Bonjour. Abdelmonaim. Abdelmonaim. Vous avez avec vous, il y a des membres du Bureau national qui vont nous rejoindre. Il y a les secrétaires généraux des syndicats nationaux de l'UNTM. Et il y a bien sûr les représentants des régions. Donc, ce sont les représentants des régions, de les 12 régions du Maroc. Donc, bien sûr, à fur et à mesure, les gens vont intervenir. Donc, tout d'abord, moi aussi, je voudrais vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation sur Web Séminaire, que tant attendu, bien sûr. Et nous aussi, nous rappelons de votre présence à notre congrès, 7e congrès, qui s'est tenu en décembre 2019. Et qui nous a fait beaucoup plaisir et beaucoup honoré. Et nous voudrions bien sûr, depuis lors, il y a un changement mondial avec l'arrivée de cette crise sanitaire. Et nous aussi, le Maroc ne fait pas exception et il a été touché en plein fouet. Et que nous voudrions partager notre expérience et bien sûr profiter de votre position internationale pour pouvoir bien sûr, tirer profit pour faire face d'après coronavirus. Je donnerai la parole à notre premier vice-secrétaire général, M. Zuitin, pour faire une petite introduction. M. Zuitin, tu as le kalima. اذا بسم الله الرحمن الرحيم soyez les bienvenus mesdames de la fédération syndicale mondiale dans cette conférence sur l'impact ou bien du COVID-19
Cette conférence sera, comment dirais-je, n'est pas ouverte à tout le monde, mais au sein de notre syndicat. Et je vous transmets les salutations de notre secrétaire général de l'UNTM, M. Abdel Atlote, qui maintenant il est obligé de participer ou bien d'assister au sein des chambres des conseillers au Parlement. C'est ça ce qu'il n'a pas pu maintenant participer avec nous. Et bon courage et bonne réussite. Merci bien. بغيتي دير شي توطئه بالعربيه ماشي مشكل شي مدخل بالعربيه دونك je voudrais juste vous rappeler des trois axes du symposium madame Anastasaki donc on va si vous permettez d'abord parler la situation du Maroc c'est-à-dire les mesures prises par le gouvernement marocain pour faire face à la pandémie. Et surtout, on va toucher le côté emploi. Deuxième point, ce sont les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'emploi et la classe ouvrière marocaine. D'accord. Et troisièmement, ce qui est important, c'est le défi des syndicats face aux changements socio-économiques résultant de la crise. Et ça va... Tous les syndicats mondiaux, ils auront... de main à la pâte, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup de travail à faire pour faire face, bien sûr, après l'après-Covid. Donc, monsieur Sizwitten, si la Brite de Chitante a la Arabie, elle a le Kadia Diel Israël, les Khdassal, Awelen, Nadro, la Atar Sora, ou Kadalika, Israël, les Khdassal Hokuma. بشكل سريع وانا غادي نوطي وديك الساعه ما بغيت نشرح لان نترجم نترجم ميكرو سي سويسن مرحبا كذلك ارحب بالمشاركتين والمتدخلتين ثم كذلك ارحب بالاخوه حاضرين معنا المشاركين في هذه الندوات الدوليه حول التداعيات يعني التفشي وباء كوفيد 19 وكذلك ما هي الرهانات الحركات النقابية أو العمل النقابي لمواجهة هذه الجائحة وهذه فرصة طيبة أولا بالنسبة لي صوت سويسري كتسمعني دابا مزيان داك اللي كيتقاس مره مره كتسمعني ياك كتسمعني الساعه وي بالنسبه للاخوان هذه فرصه اولى الحق باش نحيي وباش نشكر الاخ الامين العام الاتحاد اللي شاركنا في تشييع الوالد رحمه الله يوم الجمعه الماضي وهذه مناسبه كذلك يعني باش نطلبوا عليه ونطلب الله تعالى ان يجعله في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفي نفس الوقت كنشكر الاخوان في يعني للمناضلين في المكتب الوطني للاتحاد ولا في الجامعات ولا كل اعضاء الاتحاد الوطني للشغل الذين يعني شاركونا هذا المصاب الاليم ونطلب الله تعالى ان يرحم موتنا وموتاكم وموتى جميع المسلمين وان يعني يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله مرحبا إذن قلت وكنشكر كما قلت جميع الإخوان يعني الأصدقاء والمحبين الذين وسونا في وفاة الولد بالنسبة لموضوع الندوة نحن في المغرب يعني الحمد لله كانت هناك نظرة استباقية بحيث أول حالة لما أصيب بها أول مصاب في المغرب يوم 2 مارس تداعى الشعب المغربي تداعى كل المغاربة ملكا وحكومة وشعبا بروح تضامنية
واتخذت هناك مجموعه من الاجراءات في تقييد جلالة الملك. اولها هو احداث صندوق مجابهه هذا الوباء، وهذا الصندوق الحمد لله اللي كان محطه اولى تطوع له الجميع وتبرع له الجميع، كل المؤسسات يعني لا جلالة الملك ولا البرلمان ولا الوزراء ولا يعني العاملون في المؤسسات العامة أو الخاصة ولا يعني المنعشون ولا المقاولون ولا كل يعني كل فئات المغربية الحمد لله، كل من تيسر له المساهمة يعني ساهم في هذا الصندوق، وكان من بين المساهمين كذلك نحن في الاتحاد الوطني للشغل المغرب الذين ساهمنا من بحوالي 10 مليون تقريبا يعني يعني 10 مليون سنتيم بالنسبه لنا، ثم كذلك ساهمنا كذلك عن طريق بعض النقابات الاخرى سواء النقابه ديال الفوسفات وغيرها من كذلك من المناضلين والمناضلات في الاتحاد الوطني للشغل المغرب الذين يعني ساهموا. كانت هذه اول خطوه، ثم هناك خطوات اخرى احترازيه اخذها هناك شكلت لجنه لليقظه الاقتصاديه، هذه اللجنه لمتابعه تداعيات الحجر الصحي الذي تم اتخاذه ابتداء من 15 مارس، تداعياته على الاجتماعيات، تداعياته على المقاولات، تداعياته على الماجورين، تداعياته على العمال، تداعياته على يعني الفئات الهشه وغيرها. فحدثت هذه اللجنه وفعلا تم ايقاف يعني جميع المحلات، توقفت الدراسات، توقفت المناطق الصناعيه، توقفت المساجد، توقفت المقاهي، توقفت المسارح، توقفت كل الانشطه الاقتصاديه والاجتماعيه في الاول بعد ذلك القرار، مما يعني جعل ويسر للقطاع للسلطات الامنيه والسلطات الصحيه على الاقل ان تمسك بزمام الامور ليتيسر لها كذلك يعني التحكم في ايقاف هذا الوباء. ثم كذلك كانت هناك بوادر اخرى اجتماعيه خصوصا وهو الدعم التي اخذته على يعني قرار اتخذته لجنه اليقظه بدعم يعني المأجورين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المسجلين بدعمهم براتب بصالير براتب تقريبا 2000 حوالي 2000 درهم شهريا، وكذلك تم في نفس الوقت دعم الفئات الهشه المسجلين في التغطيه الصحيه الرامد كذلك حسب الوصار وحسب عدد الافراد تتراوح بين 800 درهم و1000 درهم و1200 درهم. وكذلك نفس الشيء انتقل الموضوع الى قطاع غير المهيكل، هذا كلها يعني، وفي نفس الوقت تم دعم الفئات المقاولين الاخر بتاجيل الديون وبتاجيل يعني لو نقول هذيك المساهمات مع الابناك يعني اللي كتعطاك كل شهر، ثم كذلك حتى تم كذلك كل الاقتطاعات بالنسبه للمأجورين، الاقتطاعات التي كانوا يساهمون بها سواء في السكن او غيرها من القروض تم تاجيلها بعد 3 اشهر. فهذه بعض الاجراءات الاجتماعيه بالاضافه الى اجراءات السلامه المهنيه وغيرها بعد استئناف مجموعه من المقاولات يعني لعملهم. فهذه اذا قلنا الحمد لله اليوم يعني تقريبا وصلنا لواحد العدد 8000 تقريبا مصابين، ولكن كانت حالات الاستشفاء حالات متميزه 6000 وزياده تقريبا للان تمثلوا للشفاء، بقيه الحالات الوفيات تقريبا حوالي 200 وفاة، وهذه مؤشرات إيجابية. اليوم وصلنا تقريبا التحاليل التي تجرى حوالي 16000 يعني بيستاج يعني تحليل بالنسبة لاكتشاف هذا المرض، فهذه كلها مؤشرات إيجابية. وهنا كانت مرحلتين للحجر الصحي، وننتظر قرار الحكومة غدا إن شاء الله، لأن غدا سينتهي يوم الأربعاء المرحلة الثانية من الحجر يوم 10 يونيو، ننتظر قرار الحكومة الجديد يعني حول هذا يعني حول موضوع الحجر الصحي. وفي نفس الوقت أخذت تدابير أخرى بالنسبة لفتح المقاولات
يعني استمرار النشاط المهني سواء في قطاع الفلاحة سواء في قطاع الصيد البحري، وتم تأمين الغذائي، تم الحمد لله بالنسبة يعني توفير المواد الغذائية على ربوع المملكة، رغم احنا كما كتعرفوا هذه السنة كانت سنة جفاف، ولكن الحمد لله استطاع المغرب أن يؤمن الغداء وكانت متوفرة، وخصوصا في شهر الدروة وهو شهر رمضان. والآن المقاولات بدأت، المناطق الصناعية تستأنف نشاطها رويدا رويدا، القطارات بدأت كذلك، السكك الحديدية بدأت في استئناف الزيادة في القطارات، وإن شاء الله يعني راه كتوجد باش تعد لكي توسع الخطوط. كذلك هناك بالنسبة للوسائل النقل العامة، بالنسبة للتاكسيات كذلك بدأوا يستأنفون عملهم. الآن بدأت القطاعات المنتجة تستأنف شيئا فشيئا يعني نشاطها، وهذا إن شاء الله رحمه يعني نتمنى أن يستعيد الاقتصاد، وأن يستعيد الإنتاج، وأن تستعيد المناطق الصناعية شيئا فشيئا نشاطها، وهذا مما سيكون له وقع إيجابي على يعني على الشغلة وعلى القطاع يعني القطاع الخاص، وإن شاء الله راح نعرف يعني. وبالنسبة لنا قابلنا واكبت هذه التحولات والتغيرات، الاتحاد الوطني للشغل يعني كانت مواكبة يومية، سواء التدابير سواء القرارات التي اتخذتها الحكومة، وعبر يعني عبر إذا قلنا نحن سواء عبر الممثلين للاتحاد في البرلمان يعني في المجلس المستشارين، بالنسبة للأخ الأمين العام والإخوة الممثلين للاتحاد في المجلس المستشارين، وكذلك تدابير أخرى اتخذتها يعني المركزية النقابية من خلال لقاءاتها مع الحكومة، سواء مع رئيس الحكومة من خلال لقاءين، وكذلك لقاء مع وزير التشغيل، وكذلك استمر الاتحاد في عقد هيئاته، سواء مكتبه الوطني، سواء المكاتب ديال النقابات، سواء المكاتب ديال الجهوية والمكاتب الإقليمية، وكذلك رغم هذه التدابير الاحترازية استطاع الاتحاد أن ينظم أنشطة بمناسبة فاتح ماي عن بعد، وكان حضورا متميزا بالنسبة للاتحاد في المشهد النقابي، ويواصل اليوم الاتحاد عبر نقاباته عبر يعني اللقاءات عبر أنشطته دائما مواكبة الشغيلة في تأطيرها وفي يعني تعبئتها من أجل الانخراط في كل التدابير الاحترازية لكي ينجح المغرب، وقد نجح الحمد لله المغرب في مكافحة هذا الوباء وفي حصر هذا الوباء بانخراط الجميع المغاربة الحمد لله، كما قلت ملكا وحكومة وشعبا وبقوى الحية بالأحزاب بالنقابات بالمجتمع المدني بالمقاولين والمنعشين، كل الآن استطاع الحمد لله أن ينجح، ونتمنى إن شاء الله رحمة أن ننجح كذلك في مواجهة ومكافحة التداعيات الاجتماعية والتداعيات الاقتصادية التي ستكون بالطبع ستكون في البداية سلبية، ولكن مع المدة إن شاء الله رحمة سيكون هناك يعني تعافي بإذن الله للنشاط الاقتصادي وللنشاط الاجتماعي، وهذا ما يأمله كل المغاربة. لا أطير، شكرا للمستضيف، شكرا لا والله دابا تاخذ كلشي مني اختصار، تفضل. الشق الثاني ديال التحديات هذا نخليه للمداخله من بعد الاختين الله يبارك باش ما نطولش. شكرا سي زويتن، ميرسي بوكو سي زويتن. جو فودري جوست ترادوير سي سي ان تي بو لون. نو فودريون تو دابور présenter nos condoléances à M. Zuitin, qui a perdu son père il y a 3 jours, M. le premier vice-secrétaire général. Tous nos condoléances à M. Zuitin. Il a bien sûr présenté ses excuses, M. le secrétaire général. Il est pris dans le Parlement. Il a une séance. Il va nous rejoindre à tout moment dès qu'il termine. M. Zuitin nous a donné un petit aperçu sur... les actions prises par notre gouvernement pendant cette période. Bien sûr, comme il a été bien dit, le premier cas avéré au Maroc, c'était le 2 mars, et
juste après, c'est-à-dire que le 16 mars, le Maroc a pris la décision de fermeture de tous les accès aériens, ferroviaires, terrestres et aériens. Et juste après, bien sûr, tous les secteurs ont été fermés, écoles, universités, sociétés et tout. Et parmi les actions prises par au Maroc, c'est d'abord sous la bienveillance de notre roi, Sa Majesté, c'est de la création d'un fonds COVID-19 pour bien sûr faire face à ce fléau sur le plan socio-économique. Et il était bien sûr le premier à participer et que tous les personnes notables au Maroc, ils ont participé, ministres et sociétés, les sociétés aussi, et bien sûr tous le peuple a contribué bien sûr. Il est aux environs de 30 millions de dollars aux environs et qui a permis bien sûr de faire face à ce flux. Donc première action très importante. Deuxième action, c'était, comme il a dit M. Zwitsen, c'est la création d'une commission de veillance constituée du ministère de l'Intérieur, de la Santé et des personnes de finances aussi, et qui a bien sûr fait un suivi très pointu de toutes les actions et les effets jour par jour de la crise sanitaire. Bien sûr, parmi les actions, c'était bien sûr d'apporter l'aide aux personnes qui ont perdu leur emploi dès la fermeture des sociétés. Et là, on peut parler d'un chômage total. Il y a du chômage partiel et qui a émergé un travail, c'est le télétravail qui a émergé surtout dans la fonction publique et certains secteurs privés. Et ces aides, tous les personnes qui sont inscrites dans la Caisse nationale de la sécurité sociale, ils ont eu un fonds de à peu près 200 dollars en dollars. Voilà. Et qui a permis, bien sûr, de contrecarrer les effets sociaux, surtout socio-économiques, de la crise. Et parmi les actions aussi, c'était la relégation des crédits, de tous les crédits. Donc, les banques ont aussi, bien sûr, relégué ces crédits durant 3 mois pour, bien sûr, alléger les personnes qui souffrent de ce fléau. Parmi les actions, bien sûr, on a dit que tout a contribué à contrecarrer ce fléau. Et les chiffres sont très parlants. On peut dire que depuis le début de la crise, depuis le début de l'apparition du COVID-19, on a eu à peu près 8 000 infectés par le COVID-19, à peu près, dont presque 7 000 de guéris. Donc, on a un taux de guérison qui est à peu près de 90%. La mortalité, elle est de 208. Donc, elle est à peu près de 2,5%. Et vous pouvez dire que nous avons tout le staff du secteur de santé, elle a été mobilisée, civil et militaire aussi. Donc, tous les militaires aussi, ils ont contribué, chose qui a fait que nous avons une mortalité faible et une maîtrise et une guérison qui est très importante. Et nous avons démarré, bien sûr, parce que tous les pays ont été brusqués de cette crise et que le Maroc n'était pas prêt sur le plan, je dirais, hospitalier, mais on s'est préparé jour après jour et que, d'après les résultats, juste les analyses de dépistage, on était à peu près à 300 par jour. Maintenant, on est à 16 000 tests par jour, chose qui montre que il y a eu une évolution très importante. Et le Maroc, il a présenté deux phases de confinement, de 20 mars à 20 avril, et de 20 avril, bien sûr, il a été, c'est la deuxième, juste pour le 10 juin,
le 10 juin. Donc, on est à la veille du déconfinement et on attend, nous aussi, rien n'est encore déclaré. Et chose encore, vous savez que ce qui est le plus important, c'est l'approvisionnement de la population en alimentation. Chose que le Maroc, il a donné tous ses efforts pour pouvoir assurer l'alimentation de tous les produits alimentaires nécessaires pendant toute cette période, et surtout pendant la période la plus importante du mois de Ramadan aussi, et qu'on n'a pas eu de problème à ce moment-là. Donc, sinon, toutes ces activités, maintenant, ont commencé pour préparer l'après-Covid. Donc, les sociétés commencent à s'ouvrir petit à petit. Les activités de transport ont déjà commencé, taxis et transports, avec toutes les mesures de précaution, mesures sanitaires de précaution aussi. Et l'activité ferroviaire aussi commence. Alors, les activités de l'UNTM, comme il a été bien dit par M. Zuitin, depuis le début, l'UNTM n'a pas libéré le champ. Elle a été présente d'abord en organisant des rencontres avec le chef de gouvernement, avec les syndicats les plus représentatifs au Maroc, on est quatre, et que bien sûr, l'UNTM, il a donné son avis pour bien sûr faire face à l'ennemi. Surtout, on a la classe ouvrière qui a souffert pendant cette période. Ceci dit que l'UNTM aussi, elle a fait un armada de réunions sur le plan régional, sur le plan sectoriel aussi, et que chaque jour, on est resté pendant l'encadrement de nos adhérents depuis le début de Covid pour ne pas laisser le terrain. Donc, je crois que, et parmi les activités, on l'a dit, c'est on a organisé le... Bien sûr, à distance, notre festivité de 1er mai, cette année, c'était exceptionnel, mais on l'a fait quand même avec le mot du secrétaire général et les conseils qu'on nous pouvons donner à nos adhérents. Donc, ceci, c'est à peu près, on a résumé. Il y a Kanchi Haja, si vous avez quelque chose à ajouter, M. Zuitin, ou bien quelqu'un à Hada, vous pouvez le... ajouter. Donc, voilà, madame, si vous voulez intervenir, on vous laisse, voilà, c'est... D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue, bonjour, le rebonjour à tous les autres participants qui viennent de nous rejoindre. Et comme je viens de dire, on a juste, avant notre téléconférence, on vient juste de terminer une autre conférence avec les membres de l'AFSM en France. Et la semaine dernière, on a tenu aussi d'autres téléconférences avec les membres de l'AFSM en Europe, aux pays qui parlent anglais et espagnol, et aussi au Moyen-Orient, et aussi avec les membres de l'AFSM en Afrique et en Amérique latine, on va tenir la semaine prochaine. Jusqu'à présent, je pourrais vous transmettre les résultats, les constatations, l'expérience, si vous voulez, qu'on a tenue de ces conférences, qui sont vraiment connues à tout le monde, parce qu'on le ressent à notre peau, comme on dit. Les populations de tous les pays, partout dans le monde, l'expérience de l'AFSM de 130 pays du monde où l'AFSM a des membres, l'expérience de 100 millions d'adhérents de l'AFSM, c'est que tout le monde a été beaucoup gravement touché par cette crise du COVID-19. Mais ce sont surtout les travailleurs de la santé et aussi des autres domaines de soins, et aussi les travailleurs qui se trouvent dans les secteurs de commerce et dans la production alimentaire, et qui ont surtout fait face à cette pandémie. Je le dis ça parce que avant la pandémie, ces professions,
les infirmières, les gens qui travaillaient à l'alimentation, les gens qui étaient dans les autres fonctionnements de ce secteur, et le transport, etc., étaient considérés comme des professions et des travailleurs de deuxième catégorie, de troisième catégorie, que la société n'avait pas beaucoup de, besoins de ces secteurs de travailleurs. C'est-à-dire, les plus mal payés, ce sont ceux qui ont fait face en première ligne à la crise de la pandémie. Et ça, c'est un message très, très sérieux et qu'il faut tenir en tête. Il faut avoir ça à notre esprit avant de tracer notre action. Un autre secteur de travailleurs qui a aussi a été beaucoup touché par cette pandémie et qui a aussi été appelé à donner une réponse, à travailler pendant cette période de pandémie. Et ce sont les travailleurs des emplois précaires. Ce sont les travailleurs à l'économie informelle. Eux aussi, partout dans le monde, ce sont les premiers auxquels les mesures ont été imposées. La pandémie, aujourd'hui, on constate et on doit tous se rappeler qu'on se trouve au 21e siècle, c'est que la pandémie qui a suivi la crise économique, ce n'est pas une pandémie qui est venue comme ça, c'est une pandémie qui a suivi la crise économique, a apporté aujourd'hui les familles, les travailleurs, les ouvriers partout dans le monde, au 21e siècle, je vous rappelle, devant la pauvreté, devant la faim. On se trouve devant le danger de la faim. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est choquant, qui est très touchant, et il faut avoir un autre esprit. Et quand on veut tirer les résultats, on veut tirer les conclusions de toute cette situation avant de continuer, de former, de tracer notre plan d'action. Et des travailleurs qui ont été parmi les premiers, si vous voulez, à affronter la crise, la pandémie, c'était aussi les femmes et les travailleurs migrants. Hein, les femmes et les travailleurs migrants, c'est-à-dire des catégories qui sont très vulnérables dans des conditions habituelles, si on pourrait dire. Mais maintenant, ils sont devenus des travailleurs qui ont été touchés très, très gravement. Et quand on dit que les travailleurs ont été touchés, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que pendant la période de la pandémie, pendant la période de la crise, on a vu que les travailleurs se sont mis au chômage, forcément chômage, c'est-à-dire les travailleurs qui se sont mis au chômage de façon impérative de la part du patronat. Et il y a des usines qui ont été fermées, il y a des gens qui ont été licenciés, sans aucun prétexte, sans aucune excuse, sans une réalité vraie. C'est-à-dire qu'on voit, on constate partout dans le monde, ça c'est l'expérience de la FSM, on constate partout dans le monde une attaque généralisée aux droits démocratiques, et aux libertés syndicales et aux droits de travail et des gens partout dans le monde et dans tous les secteurs. Ce n'est pas un phénomène qui arrive seulement en Europe, ça se passe aussi en Amérique latine, en Asie, en Inde, partout. Donc, face à cette situation, la réponse des travailleurs doit être aussi unifiée, c'est-à-dire, bien sûr, dans les pays, tous les syndicats connaissent mieux la situation de façon meilleure et ce sont les syndicats du pays, les syndicats nationaux qui sont les plus responsables, si vous voulez, à tracer l'action
et leurs initiatives en se basant aux besoins contemporains des travailleurs, mais en même temps, la réponse des travailleurs vis-à-vis à cette pandémie doit avoir des débats communs, des débats qui commencent par le même point et pour pouvoir être plus effectifs face à cette attaque généralisée. Et je voudrais simplement rester dans quelques points qui sont importants à se rappeler et que ce sont des résultats qu'on extracte de la crise. Premièrement, c'est la supériorité morale de la classe ouvrière, c'est-à-dire et les gens et qui travaillent en premier plan, qui se battent en premier plan, ce sont les gens qui travaillent pour les produits alimentaires, pour la fabrication de médicaments, et les transports, le nettoyage, les communications. Donc, la classe ouvrière a une supériorité morale. Deuxièmement, il faut se demander, la crise, pendant la période de l'épidémie, elle a été affrontée de meilleure façon ou dans les hôpitaux publics ou dans les hôpitaux du secteur privé. Ça, c'est une autre question. On doit tous penser ce qui se passe avec les médecins, avec les infirmières, avec tout ce qui travaille au secteur de soins et qui, avant la pandémie, étaient mal payés. Ils étaient licenciés parce que dans plusieurs cas, on pensait que dans les hôpitaux, on n'a pas besoin des infirmières, on n'a pas besoin des employés spécialisés, du personnel spécialisé à utiliser les machines médicales, etc. Et maintenant, pendant la pandémie, on voit que ce sont les hôpitaux publics qui sont ceux qui ont affronté la situation de la meilleure façon. Ils étaient les plus équipés de meilleure façon. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit tenir à notre tête. La troisième conclusion, expérience, si vous voulez, c'est ce que nous avons vu par rapport à la solidarité internationale. C'est-à-dire, on a vu que le Cuba envoyait plus de 60 médecins au cœur de la bataille, c'est-à-dire en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, etc. Donc, ce sont les médecins de Cuba qui sont venus pour exprimer la solidarité internationale. Et pas les États-Unis, ce n'était pas l'Europe riche, si vous voulez, qui a envoyé les médecins. Ça aussi, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et une autre conclusion que je voudrais tirer votre attention, à laquelle je voudrais tirer votre attention, c'est la situation aux États-Unis. La situation aux États-Unis, ce qui se passe avec les mobilisations des travailleurs contre le racisme, tout le phénomène de mobilisation des masses aux États-Unis, et ce n'est pas au hasard. C'est un phénomène qui suit, si vous voulez, la pandémie et la situation de la pandémie au détriment du peuple des États-Unis qui avec le gouvernement et les politiques du gouvernement des États-Unis, ne donne pas, n'apporte pas de santé publique à leur peuple, seulement ceux qui peuvent payer et des sommes très, très élevées. Et il paraît qu'ils ont le droit de cette soin médical. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, j'ouvre une parenthèse,
au sujet de la pandémie, à nous rappeler tous de ce qui se passe aux États-Unis avec cette explosion, si vous voulez, et contre le racisme, qui est un phénomène qu'il ne faut pas, oublier. Il y a beaucoup de colère de la part du peuple des États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des protestants, des manifestants qui sont descendus dans la rue pour la première fois et pour exprimer leur position contre le racisme. Mais aussi, supporter la position de l'AFSM et aussi, bien sûr, les positions de tous les gens du phasme démocratique que le peuple a besoin d'être protégé et de protester. Ils ont le droit de se réunir, ils ont le droit aussi de tenir des réunions publiques, des manifestations publiques et aussi donner, si vous voulez, une alternative afin d'améliorer le degré des droits démocratiques syndicaux aux États-Unis. Et pour terminer, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je pourrais bien sûr intervenir un peu plus tard sur d'autres questions. Il ne faut pas négliger à exploiter aussi, à tenir à notre profit, si vous voulez, les nouvelles formes de communication, et comme l'utilisation de le web, mais aussi, il ne faut pas oublier que cette nouvelle forme de travail, le télétravail, qui contient aujourd'hui une forme de travail où le travailleur se trouve à la maison. Et je ne sais pas si le Maroc a aussi utilisé cette forme de travail, le télétravail, mais il y a beaucoup de pays qui ont utilisé cette espèce de travail, le télétravail, et de la part des patrons, où les travailleurs restent chez eux, mais qui progressivement, ça arrive à supprimer des postes de travail. Donc, quand les travailleurs sortent de cette quarantaine, si vous voulez, du confinement, ils se trouvent encore devant une réalité de ne plus avoir de travail. Et un peu plus tard, je voudrais aussi dire certaines choses par rapport à l'anniversaire de l'AFSM. Cette année, l'AFSM va célébrer son 75e anniversaire depuis sa fondation. Et bien sûr, on va prendre beaucoup d'initiatives, beaucoup de programmes qui vont se baser sur la réalité des problèmes des travailleurs à cause de l'épidémie et bien sûr de la crise économique. Et aussi, je pourrais discuter avec vous sur toute autre forme de discussion et des sujets que vous voulez. Merci beaucoup et je vous souhaite le meilleur, bonne santé bien sûr et bonne chance. Merci beaucoup Madame Anda d'avoir partagé avec nous cette expérience des autres pays. يعني مفهوم انتم يعني الكلام اللي تقال مفهوم جدا que vous avez partagé avec nous l'expérience des autres pays que ce soit latine que ce soit la France ou d'autres pays d'Europe. Juste vous avez posé la question est-ce que le télétravail a été développé au Maroc? Oui, bien sûr. Nous aussi le télétravail a été amplement introduit comme nouvelle forme de travail. Et que maintenant la question qui se pose, Mrs. Wilson, si vous permettez, la question qui se pose, maintenant il y a ce télétravail va émerger et que il n'y a pas un armada, un arsenal juridique qui protège ces salariés ou ces fonctionnaires. Mrs. Wilson, un سؤال ديالي واضح. لنا شكرا merci madame de votre intervention madame Manda
أنا تابعت يعني بكل اهتمام وتمع النقط لي بوين سولفي بار مدام أنظار. فقط سأكمل مداخلتي حول عنوان الندوة بخصوص رهانات العمل النقابي. وهذه الرهانات الحركة النقابية من بينها هو موضوع فرص الشغل، موضوع مناصب الشغل. هذه الجائحة اليوم كيظهر لي هي فعلا ستكون لها يعني تداعيات بفقدان العديد من مناصب الشغل في مجموعة القطاعات، وأولها اليوم هو قطاع السياحة. اليوم كما كتعرفوا يعني بالنسبة للمقاولات السياحية ولا الطيران ولا شركة النقل الجوية ولا واحد مجموعة الآن فقدت يعني واقفة ومناصب الشغل مفقودة، وبالنسبة لعموم دول العالم شركات نقل الطيران الجوي اليوم تفكر في التقشف وفي إعادة النظر في الرواتب ديال العمال ديالها إلى آخره. هذا من بين زائد قطع السياحي الفنادق وغيره، وستكون لهم كما كنقولوا تداعيات لإعادة النظر في كل البلدان. اليوم هي مطالبة بإعادة النظر في الأولويات أولوياتها احنا، وفي نفس الوقت احنا بالنسبة لنا كما كعرف الجميع المغرب اليوم كبلد يناقش اليوم المشروع الجديد أو النموذج التنموي الجديد الذي، وهذا كان قبل كورونا واليوم مطروح عليه بشكل أكثر خلال هذه الجائحة، وبالتالي سيكون مطروح علينا اليوم يعني عدة أسئلة كبلد كبلاد بصفة عامة وعد كنقابة. بالنسبة لنا اليوم مطروح ما هي الأولويات التي يجب أن نشتغل عليها البلاد، يعني والآن كل شيء الآن أصبح مجمع على قطاع التعليم، على قطاع التربية، قطاع التكوين، قطاع البحث العلمي، قطاع الصحة، وقطاعات المنتجة وخصوصا يعني لتوفير الأمن الغذائي يعني للبلد، الاحتياجات الغذائية وكذلك المنتجة للاحتياجات الصحية، الأدوية إلى آخره. اليوم كل الآن الكل مطالب بإعادة الاعتبار للأولويات الأولى بالنسبة لأي بلد، وهذا يحتم علينا واحد مجموعة الأمور الأخرى، هو الاهتمام بالمنتوج الداخلي، بالمنتوج الذاتي، بالمنتوج البلدي، بالمنتوج المحلي وغيرها. الآن مجموعة من يعني نبغى نقول من المقاربات التي فرضت نفسها على الشعوب وعلى المجتمعات بخصوص هذه الجائحة، وبالتالي سنكون اليوم نحن مطالبين لمعالجة هذه التداعيات. سنكون مطالبين اليوم كنقابات بمواكبة هذه التغيرات التي ستطرح في المجتمعات، ومنها اليوم هو ظهور هذا العمل اللي طرح المسؤول التعليمي مدام أنظار. بالنسبة كذلك اليوم هو الشغل عن بعد لو تيلي ترافاي، هذا الشغل عن بعد نحن مطالبين اليوم الجانب التشريعي الجانب القانوني، هذه كلها الآن مستجدات. كانت بعض الأحيان كانت بعض الشركات وبعض المقاولات تشتغل بها وكتعمل بها، ولكن في ضيق يعني بشكل محدود. اليوم أصبح التعليم سيكون عن بعد، أصبح التكوين عن بعد، أصبح كذلك الشغل خصوصا اليوم يعني في تكنولوجيا المعرفة وهالشي ديال الانترنت وهالشي ديال الانترنت إلى آخره، وهالشي ديال مثلا القطاع البنكي اليوم كمثال، القطاع البنكي وغيرها من قطاعات الاتصالات وغيرها من قطاعات اليوم موظفوها لهم إمكانية كبيرة ومجال أكبر ومساحة كبيرة للاشتغال من منازلهم، وبالتالي هنا سيطرح موضوع التعاقد وستطرح موضوع ساعات العمل وستطرح موضوع يعني حوادث الشغل وستطرح موضوع الأجور وموضوع السلامة المهنية، كل ما هو كان حضوريا يعني التي كانت النقابات تشتغل عليه كقضايا حضوريا يعني عن طريق العمل حضوريا للمشاكل ديال حفظ الصحة وحفظ السلامة، ويكون تكون الأجور
مقابل يعني بنقول العمل والأجور المكافئة للإنتاج وغيرها من القضايا التي نشتغل عليها وموضوع التقاعد وموضوع الحماية الاجتماعية كل ما القضايا التي تشتغل عليها النقابات اليوم ستنتقل كذلك إلى البعد يعني القضايا العمل عن بعد وبالتالي سنكون ملزمين كنقابة مواكبة هذا العمل وبقوة اقتراحية أن نطرح ما سنراه يعني لازما في موضوع التيليترافي. النقطة الثانية اللي مطروحة علينا كذلك وإلا خصنا نفكروا فيها اليوم جديد كنقابات ومدام ماندا طرحت موضوع يعني ديال لا سوليداريتي انترناسيونال اللي وقعات وهادشي راه كذلك حنا وقع على المستوى الداخلي وكذلك حنا بالنسبة لنا كمبادرات راه كانت العمل على موضوع ديال التعاون مع الدول الإفريقية نحن كمغرب كبلد كان الانفتاح على الدول الإفريقية وتفكير شراكات فيما يخص الموضوع ديال إرسال الكمامات وغيرها من التجهيزات المتوفرة لدى المغرب إمكانية الإرسال ديالو للبلدان الإفريقية التي تربطنا مع علاقات يعني اتفاقات تعاون وهذه كما قلنا مطروحة على الجميع مطروحة على جميع البلدان لأنها كيفية تنظيم التعاون خصوص المرحله المقبله ما بعد كورونا يعني سواء خلال هذا الشيء اللي وقع وكذلك في المستقبل. النقطه الاخرى وهو موضوع تكلمات كذلك مدام على موضوع ديال الراسيزم ديال في امريكا والواقع اللي كاين المعاناه انا بغيت نذكر اليوم كذلك حضور لان مدام ماندا بحكم سولون لي دوني سولون لي il recouvre à peu près 130 pays, 1 million, 100 millions adhérents, donc dans les syndicats. Je vais soulever parmi ces pays le problème des travailleurs au sein du. Comme vous le savez, c'est le pays de Palestine. Et la souffrance des ouvriers palestiniens sur la colonisation de l'État sionisme et aussi concernant les problèmes d'autres couches sociales ou bien d'autres selon des pays en Asie par exemple pays de Cachemire pays de البلدان التي تعرف عدة صراعات وتطاحنات ما يجري اليوم مجموعة من معاناة العمال سواء في البلدان التي تعرف الحروب اليوم في اليمن في سوريا في ليبيا في العراق في أفغانستان في غيرها مجموعة من البلدان ضرورة الاهتمام يعني ضرورة اهتمام الـFSM بهذه الفئات بهذه الفئات من العمال يعني من خصوصا في هذه البلدان التي تعرف صراعات كما قلت سواء صراعات اثنيه او صراعات اليوم حروب سياسيه واقتصاديه وغيرها وانا قلت في مقدمتها يعني العمال في فلسطين سواء في الدول العربيه او الدول الاسيويه او الدول الافريقيه واليوم كذلك في دول امريكا اللاتينيه وهالشيء اللي كيجي اليوم في الولايات المتحدة اليوم كذلك نحن مدعوون هذا تحدي نقابي وهذا رهان نقابي نحن كحركة نقابية هي حركة إنسانية في الأول حركة إنسانية اللي كتجمع يعني جميع سكان العالم بغض النظر عن الدين أو بغض النظر عن المذهب أو الانتماء السياسي أو الانتماء الإثني أو الانتماء هي حركة إنسانية موحدة وتهدف إلى يعني إلى توفير الكرامة للشغيلة توفير الكرامة للإنسان توفير الكرامة للمواطن وبالتالي نحن مدعوون كحركات نقابية في الدول الفيدرالية العالمية العمال نحن مدعوون اليوم أن نتكتل كحركات نقابية من أجل دعم إنسانية الإنسان من أجل حماية حياة الإنسان من أجل حماية صحته من أجل حماية كرامته وحقه في التشغيل من أجل حماية كذلك وحقه في التعليم
حقه في تربية أبنائه، في تعليم أبنائه، في صحة أبنائه، في توفير ظروف العيش الآمنة والأمن لأسرته، كذلك في توفير السكن اللائق، وفي توفير الشغل اللائق، وفي توفير الحياة الآمنة والحياة الكريمة والحماية الاجتماعية، وفي توفير كذلك حقه في التقاعد بعد عمل طيلة الفترة اللي كيشتغل فيها، سواء 60 عام أو 65 حسب سن التقاعد، يعني أن يتوفر على حياة كريمة وعلى تقاعد مريح يناسب حاجة الإنسان ويناسب حاجة الإنسان في ذلك السن، حاجة يناسب حاجته في تغطيته في الأدوية، تغطيته في حاجيته الضرورية من مسكن ومن غذاء ومن ملبس ومن أدوية. هذه قضايا خصوصا اليوم بعد جائحة كورونا يجب أن نشتغل عليها جميعا كحركات نقابية، كحركات مجتمعية، من أجل الدفع بهذا التيار الإنساني في مواجهة كل ما يهدد أمن الإنسان وحياة الإنسان وشغل الإنسان وصحة الإنسان، ويهدد كذلك مستقبله وحياته الكريمة، إلى أن يعني إلى أن يتغمد كما يقول، إلى أن يموت وإلى أن يتوفى الله. إذن هذه هي الرهانات التي يجب أن تشتغل عليها النقابات، سواء في داخل بلدانها أو كذلك بالتعاون مع النقابات الأخرى، من أجل تحقيق هذه المطالب ومن تحقيق من أجل تحقيق هذه الحقوق وهذه المكاسب للشغيلة وكذلك لساكنة العالم. أتمنى النجاح للفيدرالية العالمية للنقابات اللي تكلمت عليها مدام ممضى واللي تكلمت بعد عدد، أتمنى أن تنجح في تحقيق هذه الرهانات، وخصوصا بعد اجتياح وباء كوفيد 19. شكرا سي حسن الصدرف على السير. شكرا سي زويتن. كنت جوبلي سي رضا شاروف، مرحبا. الى كان عندك شي حاجه بغيتي تضيفها. مرحبا سي الصدرف، مرحبا. الله يبارك فيك. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier mesdames les représentantes. Madame Bouteli, monsieur Charouf, c'est le médecin. Il est membre du bureau national de l'INTM et c'est le médecin de notre organisation syndicale. Donc, il va nous. Oui. حسن من احسن قطع المداخلة السريعة على خصر القطع اللي قلت وعطى الرضا باش يدخل المداخلة افضل باش رضا دير عفاك عاوني في التقرير الله يسر عليك على هادشي اللي داز. Si vous permettez, je vais résumer ce qui vient d'être dit par monsieur le premier vice-secrétaire général monsieur Zwitten et qui est très important. Très important, tout simplement parce que qu'est-ce qui nous attend après le Covid? Les enjeux, ça c'est ce qui est très important, les enjeux du mouvement syndical, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs. Vous avez parlé, Madame Anda, de perte du travail. C'est vrai, nous aussi, nous ne faisons pas exception. Nous avons eu ce coup de fouet. Et que nous avons des pertes de travail sur tous les plans, le tourisme, entre autres, les compagnies de voyage, et on va en avoir juste après le Covid-19. C'est-à-dire que les syndicats seront appelés à faire face à ce mouvement. Nous allons avoir un engouement de pertes de travail. Et dernièrement, on a attendu que même les compagnies de voyage aérien, bien sûr, il libère les gens. Donc, la première des choses, tous les pays vont revoir la priorité des secteurs. Donc, classer les priorités, ça c'est un aspect très important et qu'à l'occasion, M. Zwitten nous a rappelé que le Maroc, il est en train de développer, de préparer un modèle de développement économique et social. Et qu'il a été déjà, je dirais, la première esquisse déjà préparée, mais que
après cette crise-là, il nous a été demandé, toutes les parties et les syndicats, de pouvoir contribuer à ce modèle de développement. Et ça va nous donner un pinch pour pouvoir prioriser les secteurs. Comme il vient d'être dit, après la crise, nous avons, et que vous l'avez bien dit, les secteurs, les infirmiers, les médecins, le secteur de la santé, le secteur sanitaire, ils ont été, marginalisés sur tous les plans. Plusieurs secteurs, ils ont été marginalisés. Et que pendant la crise, on a senti qu'ils ont une tâche incroyable. Et qu'il est temps, de reclasser les priorités comme il a bien été dit. Alors, l'enseignement aussi, parmi les secteurs, enseignement, santé, secteur, tous les secteurs productifs pour assurer l'autonomie en produits alimentaires. Ça, c'est très important. Et nous sommes demandés, tous les syndicats, bien sûr, d'accompagner ces changements. Accompagner des changements et apporter, bien sûr, les alternatives, c'est-à-dire de proposer des alternatives. Vous avez parlé de télétravail. Le télétravail, nous aussi, comme il vient d'être dit, il y a un creux, il y a un manque d'un arsenal juridique et réglementaire qu'il faut y penser. Donc maintenant, il y a l'enseignement à distance qui va se développer, il y a le travail à distance qui va se développer, mais il y a des problèmes qu'on peut avoir, des problèmes de contrat, des problèmes des horaires de travail, des problèmes de santé et sécurité, ainsi de suite. Donc, il est de notre devoir de pouvoir préparer un arsenal juridique pour pouvoir, réguler cette nouvelle forme de travail. Deuxième point que vous avez cité, Madame Anda, et que M. Zwitten l'a bien précisé, la solidarité internationale, c'est une très bonne chose, et que le Maroc aussi, bien sûr, il a contribué à faire à solidarité avec certains pays amis d'Afrique, en bien sûr en voyant des masques et tous les produits sanitaires et de santé. Chose que vous avez soulevée encore, un troisième point, c'est le mouvement de manifestation aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Cette souffrance, bien sûr, elle est importante, mais très importante, et que, bien sûr, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, comme on dit. C'était pas uniquement là, mais c'était la goutte. Mais il faut dire qu'autre chose, c'est que d'autres pays souffrent encore, les ouvriers, la classe ouvrière souffre énormément. Sur la tête, la Palestine, qui souffre depuis très longtemps, que le confinement, il y avait très longtemps, et que l'opinion publique ne faisait pas attention. Cette image de policiers qui écrasent la tête de... On l'a vu en Palestine. On l'a vu en Palestine, et que personne, le mouvement public, n'a pas bien sûr donné l'importance, et qu'il faut maintenant le devoir, comme il vient d'être dit, devoir de la FSM, qui a une importance de 130 pays et presque 100 millions d'adhérents, de pouvoir s'intéresser aux pays là où il y a l'instabilité, entre autres l'Irak, Yémen, Afghanistan, Palestine, et ainsi de suite, où la classe ouvrière, elle est vraiment, massacrée. Sur tous les plans. Et là, c'est un appel. Autre chose qui est très importante, l'activité syndicale, c'est une activité humaine, comme il vient de dire. C'est une activité de solidarité, comme on vient de dire. Et nous devons bien sûr accompagner toute la classe ouvrière pour pouvoir assurer d'abord leur dignité, ce qui est important. Il est venu pour ça. Et il ne fait abstraction faite de ni couleur, ni différence ethnique. C'est-à-dire que l'activité syndicale ne fait pas de différence entre la couleur de la peau ou bien
bien sûr, l'appartenance ethnique. Et ça, c'est un devoir. C'est un devoir de rehausser un petit peu la dignité de la classe ouvrière et redonner encore face à la santé, la sécurité, un logement salubre, un travail sain, assurer une retraite et ainsi de suite. Donc, nous devons, notre syndicat, et nous sommes fiers d'abord d'être adhérents à la FSM, et nous posons la main à la main pour pouvoir, je dirais, forcer pour donner un petit peu la dignité à cette classe ouvrière mondiale. Je donnerai la parole à au docteur Reda Charouf pour pouvoir apporter quelques éclaircissements ou ajouter. D'accord. Merci, monsieur Moussoudaraf, coordinateur de cette réunion. Heureux d'être parmi vous, mesdames les représentantes de la FSM. Je tiens tout d'abord à remercier tous nos collègues qui sont des représentants de pas mal de secteurs syndicaux qui sont affiliés à l'UTM. Et en l'occurrence, le vice-président Sizouissé de notre syndicat. Donc là, je vais entamer sur un petit peu ce qui a été dit par Moussoudaraf et Sizouissé. Et bien sûr, je vais un petit peu intervenir sur les réflexions qui ont été donc présentées par vos soins. Donc tout d'abord, je suis le secrétaire général de la Fédération nationale du secteur de la santé qui est affiliée à l'UTM. Et on était justement devant la scène pour pouvoir agir et confronter justement cette pandémie du COVID, plutôt on parle en français de la COVID-19, donc ça a été donc de la COVID-19 qui a posé justement un grand problème, tant humain parce qu'il y a eu beaucoup de décès, aussi les établissements sanitaires n'étaient pas vraiment très prêts parce que pour pouvoir rassurer un grand nombre ou un flux très important de patients qui ont été touchés par cette maladie, donc là, surtout le problème des pays qui sont en voie de développement, donc tout ça a fait que justement le Maroc a anticipé pour pouvoir installer le confinement pour pouvoir donc soulager ou alléger un petit peu et se préparer bien à l'arrivée d'un grand nombre de patients qui peuvent être touchés par cette pandémie. Et là, je tiens à assurer que l'installation du confinement a débuté déjà depuis longtemps, c'est-à-dire depuis 3 mois, depuis le 16 mars, alors que le premier cas qui a été donc recensé, c'était en 2 mars. Et là, vous voyez un petit peu qu'on était un petit peu très, très avancer pour pouvoir installer ce confinement qui a pour objectif, c'est pour pouvoir se préparer correctement à cette pandémie. Et là, nous sommes justement à des indicateurs de santé qui sont rassurants. Donc, heureusement, on n'est pas vraiment à un grand nombre de décès par rapport à d'autres pays qui sont proches. Le nombre de cas qui sont déclarés, ils sont pas vraiment, c'est pas énorme, c'est environ 8300 par rapport à ce qui se passe justement dans les pays avoisinants. Et justement, on est à un taux qui est très rassurant en matière des personnes qui ont guéri. Donc, ils sont guéris, donc là, c'est presque 90%. Et il faut dire que justement, des précautions qui ont été faites et un confinement qui était vraiment très, très serré parce que justement, le confinement, il a touché toutes les provinces, toutes les régions presque, pour pouvoir justement assurer ce bon confinement et un état sanitaire d'urgence qui a été installé. Donc là, pour revenir un petit peu sur la souffrance justement qui était économique et qui a touché tant le secteur, je dirais, semi-public, beaucoup plus le secteur privé, et surtout tout ce qui est informel. Malheureusement, tout ça, c'est des personnes qui ne sont pas vraiment très, qui n'ont pas du tout une couverture sociale et qui se retrouvent malheureusement, c'est des journaliers, c'est des personnes qui se retrouvent malheureusement au chômage. Donc, les mesures qui ont été prises en matière actuellement pour pouvoir
alléger un petit peu ce confinement et passer au déconfinement qui est progressif et qui s'est installé donc depuis à peu près 3 semaines, 4 semaines. Et on attend toujours la réponse justement et la décision plutôt du gouvernement en matière du déconfinement. Donc là, les entreprises qui ont justement ouvert leur installation, leur établissement, des mesures qui étaient très strictes pour pouvoir répondre au nombre et aux exigences sanitaires. Donc la première des choses, c'est la prise de température. Donc là, on a exigé d'être accompagné par des médecins de la santé publique, du secteur public, pour pouvoir rassurer justement et assurer justement une bonne prévention de tous les ouvriers. Donc la première des choses qui a été donc établie, c'est de prendre la température quotidiennement. Deuxième chose, c'est d'installer des solutions hydroalcooliques pour tous les ouvriers, pour tous les personnes qui travaillent justement, que ce soit dans le secteur public, semi-public, les établissements publics, c'est une exigence. Deuxième chose, ou troisième chose, c'est toujours rassurer des bassins où on met de l'eau javelisée pour pouvoir décontaminer les chaussures qui peuvent être polluées justement ou contaminées par le virus. Autre chose, c'est de réduire l'effectif des personnes qui travaillent en assurant cette distanciation entre les personnes qui doit être rassurante. Quatrième chose, cinquième, c'est le port de bavette qui devient très exigé. Donc, ce sont des mesures qui ont été prises pour pouvoir justement donc assurer ce qu'on attend après le déconfinement pour pouvoir éviter une deuxième vague qui peut justement, si on ne prend pas les précautions nécessaires, on risque de tomber justement dans cette hausse des chiffres. Et c'est le cas de certains pays malheureusement, où on voit malheureusement ce déconfinement qui n'a pas été vraiment très régulé. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que cette pandémie, ce confinement, même si on est justement très loin des chiffres qu'on voit un petit peu dans certains pays, mais elle a des conséquences économiques qui sont vraiment très, 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 très sévères. Et là comme ça a été dit par vos soins, des souffrances, qui ont des souffrances ouvrières et qui touchent justement les personnes qui sont des journaliers, des personnes qui sont saisonnières, donc tous ces ouvriers malheureusement sont touchés, en particulier certains secteurs qui souffrent beaucoup plus, le secteur aérien, le secteur touristique, le secteur et tout ce qui suit justement qui entoure ce secteur touristique beaucoup plus. Donc là, il faut dire que certains pays malheureusement, parce que on doit être solidaire, vous savez que le syndicat mondial, il rassemble beaucoup plus, il se solidarise justement entre ses défendeurs, défendeurs justement des droits des ouvriers et des fonctionnaires. Donc là, ça rassemble justement tout le monde. Et là, malheureusement, on voit que certains pays, ou dans l'instabilité qui règne, dû justement à ce qu'on peut appeler les gens qui sont l'instabilité qui est due justement à ces guerres qu'on peut appeler des guerres qui sont contre justement les révolutions arabes, pour pouvoir déstabiliser ces pays. Et malheureusement là, la pandémie avec tout ce qui se passe en guerre, fait que on arrive justement et on voit beaucoup plus de chômage et beaucoup plus de décès et de personnes qui sont touchées par cette maladie. Donc là, pour revenir, c'est que parmi les choses qui ont été donc faites par notre Maroc, c'est-à-dire que même si justement ce confinement, cette pandémie, elle a des conséquences qui sont fâcheuses sur pas mal de secteurs, mais là aussi justement certains avantages. C'est là le Maroc, il a pu justement pouvoir, fabriquer, si vous voulez, des bavettes, ce qu'on appelle les bavettes chirurgicales ou les bavettes FFP2, FFP2, qui sont justement capables de protéger les personnes, et avec un débit qui est très, très important, des millions justement par jour.
même il est arrivé à même fabriquer des respirateurs artificiels. Et ça, justement, ce sont des choses qui étaient forcées justement d'y penser et d'activer un petit peu certains secteurs, d'accord, qui peuvent justement s'enrichir dans ce sens. Donc, pour ne pas justement tarder et laisser la parole à mes collègues, donc je tiens tout d'abord à vous remercier et c'est un grand plaisir justement d'assister à cette réunion avec le FSM, avec mes collègues. Merci encore une fois. Merci beaucoup, c'est Reda Charouf. Donc, à vous la parole, Madame Anda, si, donc, d'après ce qui vient d'être dit par M. Zuitin et M. Reda, donc, M. Reda a réitéré un petit peu les actions prises par le Maroc, et M. Zuitin a mis l'accent sur l'après-Covid, le défi et les enjeux des syndicats, des mouvements syndicaux. À vous la parole. Merci beaucoup, chers collègues, pour vos interventions et les informations très intéressantes que vous nous avez fournies par rapport à la situation des travailleurs au Maroc, par rapport à l'action de l'UNDM et les projets qui vont suivre la pandémie. Et je voudrais simplement mettre le point sur la question qui a été posée de la solidarité internationale et surtout dans les pays et les peuples qui sont toujours sous la menace de la guerre, sous la situation de la guerre, des conflits au conflit, comme par exemple la Palestine, la Libye, l'Afghanistan et tous les pays qui sont au centre de ces conflits. Et la FSM a été toujours à côté des peuples qui luttent pour leur autodétermination. Et surtout, à la question de Palestine, je vous rappelle que l'Union générale de Palestine, c'est-à-dire la centrale de la Palestine, a été un des membres fondateurs de la FSM depuis 1945. Et on a fait plusieurs actions, plusieurs activités, beaucoup d'actions de solidarité ici, à Palestine, au monde entier. On a aussi présenté beaucoup de projets, de protestations, de lettres de support à exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien aux Nations Unies. Et on a fait beaucoup d'actions auprès de l'OIT, et pas seulement pour la question palestinienne, mais aussi pour la Syrie, aussi l'Union générale de la Syrie. C'est un membre de la FSM depuis sa fondation et c'est un membre de la FSM très actif, ainsi que les autres aussi syndicats du Moyen-Orient, comme la CGT du Liban, avec la CISA, la Confédération internationale des syndicats arabes. Nous avons des relations excellentes. Et permettez-moi en ce moment de passer la parole à ma collègue Maria, qui est responsable au sein de l'FSM au sujet arabe, aux questions arabes, pour vous donner quelques informations de plus concernant la pandémie, notre action aussi aux filiales de l'FSM au Moyen-Orient et au monde arabe plus général, et partager avec nous l'expérience. Bonjour à tous, de ma part aussi, merci de cette invitation. Et nous, de la Fédération syndicale mondiale, on suit la situation des travailleurs pendant le commencement de la pandémie de COVID-19 dans les pays arabes. Et la situation des travailleurs dans tous les pays arabes, c'est bien sûr très difficile parce qu'ils sont notamment les travailleurs qui sont appelés à payer les prix des conséquences du confinement, des conséquences sur les économies de la pandémie. Et vous avez déjà mentionné le secteur le plus touché, c'est tout à fait les compagnies aériennes. Par exemple, aux Émirats arabes unis, il y a beaucoup de compagnies qui font des baisses de salaire et aussi des réductions du personnel, des licenciements. Par exemple,
la compagnie Emirates à Dubaï, Kuwait Airways à Kuwait, et qui a licencié 1500 de travailleurs étrangers qui vivent et travaillent au Kuwait. Et il y a aussi d'autres compagnies, Air Algérie, qui prévoit des réductions de salaire, et aussi Air Qatar, qui a annoncé aussi des licenciements. Et en général, pour les pays arabes, on estime qu'il y aura 1,2 million de postes de travail qui seront menacés à cause de problèmes au transport aérien. Et aussi, il y a d'autres problèmes, comme vous avez déjà mentionné, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de la vente au détail. Et il y a des problèmes avec l'industrie automobile Renault qui a annoncé beaucoup de licenciements en France, mais aussi au Maroc. Marchine plastique. Marchine plastique. Il y a des milliers de travailleurs. Plastique. نعم أخويا. قطع الصوت. آه اسمح لي. Des sur les postes de travail. Et il y a aussi d'autres problèmes, par exemple les secteurs informels, comme vous avez déjà dit, les journalières dans tous les pays, en Égypte, en Jordanie, et les migrants souffrent beaucoup. Ils sont les plus touchés, bien sûr, parce qu'ils ont perdu leurs revenus. Et il n'y a pas de protection sociale pour eux dans le pays arabe. Et par exemple, il y a 7 000 travailleuses agricoles marocaines en Espagne, par exemple. Elles font face à une situation difficile en ce moment. Et concernant leur retour au Maroc, leur travail en Espagne, etc. Et il y a au Liban, par exemple, l'usine de Coca-Cola qui ferme ces jours-là. Et tous ces travailleurs vont payer pour auront des conséquences très graves de cette fermeture. Et il y a d'autres problèmes aussi. Il y a des licenciements en Jordanie et dans le secteur textile. Et beaucoup de problèmes et pareil. Les travailleurs en Palestine aussi, ils font face à une agression israélienne qui augmente ces jours-là parce qu'Israël et ses alliés veulent annexer une partie des territoires palestiniens occupés en Cisjordanie. Alors, il y a aussi ces problèmes, comme le collègue Anda a déjà dit, nous devons renforcer ces jours-là, cette période-là, la solidarité que la FSM a toujours montré envers le peuple palestinien et continuer la lutte pour la reconnaissance d'États indépendants palestiniens aux frontières de 1967 pour la libération de et prisonnières politiques, le retour des réfugiés palestiniens en Palestine et toutes ces demandes très, très importantes du peuple palestinien. Et alors, pour conclure, je voudrais parler un peu du rôle des syndicats dans le pays arabe. Et pour nous, c'est d'organiser les luttes dans les lieux de travail, même hors des lieux de travail, premièrement pour la santé, pour faire face aux pénuries très graves des systèmes de santé publique dans les pays arabes. Il y a des mesures de protection individuelle qui manquent, il y a des lits de soins intensifs qui manquent, de ventilateurs, d'équipements, de personnel médical dans tous les pays. Et bien sûr, en Europe aussi, comme on constate, tout le monde aux États-Unis
il y a cette pénurie. Mais en quelques pays d'Afrique, quelques pays arabes, par exemple, Soudan du Sud, ces pénuries sont très graves et nous devons lutter pour la couverture de toutes ces pénuries. Parce que comme notre collègue, le docteur Meda, déjà vient de mentionner, si on a une expansion ou une nouvelle vague, ça serait très difficile pour faire face. Pour les travailleurs, nous devons continuer la lutte, que les syndicats organisent la lutte contre les réductions de salaires, pour la préservation des postes de travail, pour les allocations pour les chômeurs et la protection sociale de tout le monde. Alors, c'est ça que l'AFSN appelle les syndicats à faire pour le pays arabe, de renforcer la lutte avec des initiatives que vous avez déjà mentionnées, avec d'autres initiatives aussi qu'on peut discuter et penser pour l'amélioration, pour la protection de la santé, des postes de travail et l'amélioration des conditions de travail de tous les ouvriers. Très bien. Merci beaucoup, Adam Barouti, pour cet exposé et une présentation qui nous permet bien sûr de nous donner un petit peu un aperçu sur les activités de la FSM, non seulement sur l'ensemble des pays, mais particulièrement pour les pays du Golfe Moyen-Orient et les pays arabes. Et la Palestine en premier lieu. Oui, juste ça, je me rappelle, j'ai toujours lu l'historique des activités de la FSM. Ça ne fait qu'honorer la FSM de ses actions prises pour bien sûr assurer la dignité des ouvriers de la masse et des ouvriers salariés au niveau de la Palestine. Ok, Sis Witten, marhaban. Donc, si Madame Anda, on a fixé au départ à peu près 2 heures, on est presque à la fin. Donc, je laisserai le mot de la fin à M. Zwitten et vous concluez. Madame Anda. Donc, vous voulez qu'on prolonge jusqu'à quelle heure? À peu près 15 minutes, ça vous va? Oui, si vous voulez, 15 minutes, 20 minutes, donc, 30 minutes, comme vous voulez. Oui. D'accord, je donnerai la parole s'il y a des intervenants, des responsables, soit du Bureau national, pour intervenir. Rani. Bonjour à tout le monde. Seulement, je voudrais poser 2 questions pour Madame Anda. Alors, la première, c'est avant la pandémie, les ouvriers, aussi vous dire les répercussions de la pandémie. Comprennent de faire de privé les travailleurs des moyens d'oppression sociale, y compris les grèves, le port de l'emblème, le rassemblement et manifestation. À votre avis, quels sont d'autres moyens pour protester durant cette pandémie? D'accord? Oui. C'est ma première question. Habib, viens te présenter, Oscar Habib. Habib. Oui, je suis membre du Bureau national de l'UNTM et secrétaire général de la Fédération nationale pour l'avenir des cheminots, chemin de fer. Oui. D'accord. Alors, ma deuxième question est, ma deuxième question pour Madame Anda toujours. Alors, pourquoi FSM n'utilise pas les médias sociaux pour communiquer avec les ouvriers du monde?
D'accord. Merci. D'accord. Oui. Vous voulez qu'on prenne l'ensemble des questions, vous laisse la parole ou bien question par question. Je vais continuer s'il y a des intervenants, si vous voulez poser des questions. Je connais l'Ikhwa Libray. يطرح شي سؤال معين donc s'il n'y a pas d'autres questions est-ce que je peux répondre d'accord بما انه سي زويت ما كاينش شي حد انا نتسنى d'accord oui il y a deux questions de monsieur Rani Habib. Merci beaucoup, chers collègues, pour vos questions. Et même si vous êtes, je ne sais pas si vous avez suivi notre discussion depuis le début ou si vous venez de participer, parce que maintenant, je vous vois maintenant, mais je ne sais pas si vous étiez là depuis le début de la discussion pour écouter tous les sujets qui ont été traités. Et tout d'abord, vous venez du secteur transport, chemin de fer, qui est un secteur crucial, très, très important. La FSM a aussi une union internationale du secteur transport, Louis Transport. Et peut-être aussi vous pouvez contacter avec notre Louis pour discuter et échanger l'expérience sur les sujets plus concrète de votre secteur. Donc, maintenant, par rapport aux questions que vous avez posées, et avant la pandémie, oui, c'est vrai que les travailleurs avaient la grève, avaient quelques formes de protestation, et vous avez demandé si après la pandémie, et les travailleurs vont aussi utiliser les mêmes formes de protestation, de démonstration, et s'il y a d'autres formes pour exprimer nos positions. Bien sûr, la lutte est à plusieurs formes. Ce n'est pas seulement la grève, bien sûr, la grève. Et c'est de notre côté, du côté de la FSM, Fédération syndicale mondiale, et pour la FSM, la grève constitue la forme la plus sacrée, si vous voulez, et la plus ultérieure des travailleurs. C'est notre droit, la grève. Mais pour arriver à la grève, il y a d'autres formes qu'on peut utiliser. C'est-à-dire, il y a des formes d'exprimer notre mécontentement, de demander nos revendications et de promouvoir nos demandes contemporaines. Il y a des protestations, il y a des présences qu'on fait auprès des ministères, auprès des autorités du gouvernement, il y a des discussions qu'on fait avec le patronat, bien sûr, mais la plupart des fois, et ces discussions n'arrivent pas, je parle de l'expérience internationale, bien sûr, hein, n'arrivent pas en faveur des travailleurs. Et donc, et bien sûr, il y a aussi la grève. Je vous rappelle que pendant les 5 dernières années, cette année, bien sûr, la conférence internationale du PIT au mois de juin n'a pas pu se tenir à cause de l'épidémie, mais tous les autres années, les 4 dernières années, sur l'agenda du PIT, la première question, c'était abolition du droit à la grève. Nous, la FSM, nous sommes contre ça. La grève, c'est le droit des travailleurs et on va continuer à supporter cette position. Et donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire aussi après la pandémie, bien sûr, c'est-à-dire organiser la lutte de travailleurs et élever la lutte de travailleurs à un degré plus élevé, utiliser tous les moyens de communication, l'Internet, les communications, etc., pour
faire les positions de l'FSM et les demandes des travailleurs communes à tous pour pouvoir exprimer la solidarité. Aussi, on va avoir la qui va être avec les demandes contemporaines qui vont être enrichies après la pandémie. On va aussi continuer la lutte contre l'exploitation de l'homme. On va travailler, on va élever la lutte pour la liberté syndicale, pour les droits démocratiques qui sont en danger, parce que si on écoute maintenant que non, non, les travailleurs ne peuvent pas protester dans les rues, il faut une distance. Ou peut-être une autre idée, c'est si on tient le congrès sans se ressembler, on pourrait par exemple tenir des congrès en distance à travers l'Internet. Ce sont des attaques aux droits démocratiques des travailleurs, aux attaques aux droits syndicaux. Donc, notre lutte doit, si vous voulez, être élargie aussi à ces domaines. Et par rapport à la deuxième question qui concerne l'utilisation des médias, des masses médias, Internet, etc., des technologies modernes, de la part de l'FSM pour contacter ses membres, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, chers collègues. On n'a pas beaucoup utilisé l'Internet, les masses médias, les technologies modernes, etc. Et c'est quelque chose, c'est une leçon que nous avons retirée de la pandémie. Et c'est une expérience qu'on va maintenant utiliser en profit de nos buts, de nos tâches. Mais je vous rappelle aussi, si vous connaissez un peu la FSM, si vous voyez qui sont les affiliés de la FSM, et vous allez comprendre que la plus grande partie de la FSM, concernant ce sont des syndicats pauvres. Ce sont des syndicats qui se trouvent en Afrique, en Amérique latine. Ce sont des syndicats qui sont très pauvres, n'ont pas d'accès à l'Internet, n'ont pas d'accès aux technologies nouvelles. Il y a d'autres syndicats et qui sont, bien sûr, en premier lieu, ils ont la possibilité d'accéder aux technologies modernes, etc. Mais je vous donne des exemples de syndicats qui sont, si vous voulez, clandestins. En Colombie, ou par exemple en Afrique, le Rwanda, les syndicats du Rwanda n'ont pas l'accès à la technologie moderne. Donc, comment est-ce que la FSM va contacter ses membres là, dans ces pays, qui sont la plupart de nos membres, ils sont des syndicats pauvres. Comment on va les contacter nos positions avec les méthodes traditionnelles, avec la correspondance, avec l'échange de messages, avec le téléphone, c'est-à-dire des moyens plus traditionnels. Bien sûr, comme je viens de dire, tout à fait d'accord avec vous qu'on doit élever aussi notre capacité pour utiliser les technologies modernes en notre profit. J'espère que j'ai déjà répondu à vos questions, mais si vous voulez demander autre chose, je suis là. Merci beaucoup. Madame Anda, nous sommes en train de réfléchir ensemble, nous aussi, nous sommes en train de chercher les nouvelles formes de manifestation, les nouvelles formes de protestation. Est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent intervenir? Kinshiso, Al-Ikhwan, avant de donner le kalima Fitamia Sizwitzen, c'est Sharouf Tondal. Je voudrais tout simplement entamer sur la question de Serram qui a été posée tout à l'heure. Je ne sais pas quelle sera la position justement des syndicats internationaux au décours justement de cette pandémie qui a vu beaucoup plus de personnes qui sont en chômage et les personnes actuellement qui sont revenues au travail sont dans une très mauvaise position pour pouvoir revendiquer leurs droits. Donc là,
C'est la première question. Est-ce qu'on verra une régression malheureusement? Les autres. Deuxième chose, c'est que est-ce que ce n'est pas le moment justement ou l'occasion de saisir, de pouvoir sensibiliser les personnes qui travaillent dans l'informel? Parce que vous savez, ils n'ont pas de couverture sociale. Et malheureusement, c'est des personnes qui sont prises justement dans ces travaux qui peuvent être journaliers, saisonniers, mais qui n'ont pas de couverture sociale et qui continuent justement à travailler. Actuellement, avec cette crise, on voit que ces personnes, ils ont beaucoup plus souffert justement de cette crise. Est-ce qu'il n'est pas justement l'occasion de profiter de cette occasion pour pouvoir les sensibiliser beaucoup plus à ce qu'ils revendiquent justement leurs droits et de ne pas justement recommencer à exercer justement toujours dans l'informel? Donc, ces deux questions, je vous remercie. Shukran, Susharov, merci beaucoup. D'accord. Autre question? C'est ça? Est-ce qu'il y a autre chose à répondre? OK. Pour répondre aux deux questions que le collègue vient de poser, et comme on a déjà dit, pour les gens qui sont maintenant un chômage imposé, et la réponse c'est seulement qu'après la pandémie, on doit tous continuer nos luttes pour demander du travail pour tout le monde. Ce ne sont pas les travailleurs qui doivent payer la pandémie. Ce ne sont pas les travailleurs toujours qui doivent payer les crises économiques, la crise de pandémie, la crise de santé. Non. Il faut toujours faire la lutte contre l'exploitation de l'homme pour l'homme et pour sauvegarder les postes de travail et le travail des gens qui sont maintenant au chômage imposé. Avant notre conférence, je disais que nous avions une conférence avec nos membres en France. Les collègues en France, ils ont partagé avec nous l'expérience des travailleurs dans les usines qui produisent des produits agroalimentaires. Donc, il nous disait que maintenant, le 46% de ces travailleurs sont mis, de la part du gouvernement, au chômage impératif. Et qu'est-ce que cela signifie? Signifie qu'ils travaillent seulement 2 ou 3 jours par semaine, et les autres jours, ils sont forcés à travailler dans les champs, à l'agriculture, pour la production. Et donc, parce que en ce moment, en France, il n'y a pas de travailleurs saisonniers, il n'y a pas des immigrants qui venaient des autres pays pour travailler dans les champs. Donc, ça, c'est une autre forme de travail et qui est tout à fait nouvelle, qui nous appelle à faire face à cette situation nouvelle. Donc, il faut adapter nos luttes, il faut les adapter à la situation moderne parce que, comme je viens de dire, le danger de la faim est devant nous. En ce moment, il y a des millions et des gens en Espagne, en Italie, qui affrontent, et aussi en France, et en d'autres pays aussi d'Europe, mais pas seulement en Europe, en Asie, en Inde, en Afrique, vous connaissez, en Amérique latine, vous avez vu ce qui se passe au Brésil maintenant, parce que le gouvernement ne veut pas prendre des mesures contre la pandémie. Qui va payer cette crise? Les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui meurent, qui perdent leur vie, et ce sont les travailleurs qui perdent leur travail. Donc, ce sont les travailleurs toujours qui sont condamnés à faire face aux résultats de la crise, des crises différentes, et maintenant à faire face à la faim. Et la deuxième question, c'était par rapport au secteur informel. Et oui, bien sûr.
Bien sûr, le secteur informel, ce sont des travailleurs partout dans le monde qui ne sont pas protégés. Il faut maintenant, avec les autres couches sociales, il faut aussi regrouper les travailleurs du secteur informel et les faire s'inscrire au syndicat. Les travailleurs du secteur informel, il y a plusieurs raisons. Et leur conscience, si vous voulez, syndicale est très faible. Donc, ce qui est notre tâche, c'est de les apporter dans les syndicats. Comment? Avec plusieurs façons. Tout d'abord, il y a l'éducation syndicale. Il y a la formation syndicale et plusieurs autres formes de syndicalisme que vous connaissez mieux que moi. Et voilà, de ma part. Bonjour, maintenant, la camarade qui vient de nous rejoindre, une femme, encore. Oui, c'est Madame Belhassen Fatima. Bonjour, Madame. C'est la présidente du Conseil national, hein, c'est notre présidente du Conseil national, oui. Bienvenue. Oui. Que nous avons répondu aux questions. Et j'espère vraiment que notre entretien était vraiment positif pour vos membres et que nous avons aidé à vos luttes. Et oui, c'est bien répondu. Il y a qu'à ce Charof, éclaircissement. Oui. Oui, c'est... Avant de conclure, في الصورة يعني شنو الإجراءات اللي اتخذتها البلاد كذلك المرحلة ما بعد الجائحة والتدابير اللي خصها تاخذ والرهان على الحركة النقابية بصفة عامة ما بعد الجائحة ديال الكورونا فاطمة لا عندك شي سؤال معين اي بوي دونك اون فادوني لا بارول ا مدام فاطمة بلحسن لا بريزيدون دو كونسي ناسيونال سي لا اون كيسيون اكليرسيسمون افون de clôture et donner le mot de la fin à M. Zouissé. Fatima? Micro. Il faut unmute votre micro, voilà. Bonjour madame, je suis ravie de vous rencontrer une deuxième fois parce qu'on s'est déjà rencontré, je pense, à Genève. Merci d'avoir me poser sur effectivement sur l'effet de Corona, mais je vais parler en arabe parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Alors merci infiniment, madame. Tout d'abord pour la première question, quelle mahia tadabir lati wakhadtumouha yani khassatan bilnisba lin-nisaa li'anna يعني الحلقة الأضعف والمتضررة أو الفئة المتضررة بشكل أكثر هي فئة النساء. طبعاً إحنا بالنسبة للمغرب كلجنة مركزية والتي ترأسها الأخت ماء العينين قمنا بتدابير وبإجراءات بتنسيق مع المنظمة إما عبر البرلمان أو عبر التواصل مع وزير الشغل. وطبعا مدة الجائحة هي غير معروفة متى ستنتهي وبالتالي أردنا أن لو تضعون في الصورة ما هي الإمكانات أو الآليات التي يمكن استعمالها بعد يعني رفع الحجر وخاصة بالنسبة للنساء في القطاع الغير المهيكل وفي المقاولات التي ربما لا تحترم المعايير الدولية التي يجب يعني القيام بها كاحتراز من جائحة كورونا. طبعا دون أن أنسى أن تبلغ سلامنا إلى رئيس الاتحاد FSM
ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في وقت آخر في ظروف أحسن من هذه وتزوروننا في المغرب إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا مدام فاطمة. للأسف أنا ما تبعتش من الأول لأن عندي ظروف خاصة حتى التوقيت الزمني ما كانش ناسبني، ولكن الحمد لله التحقت آخر لحظة. شكرا جزيلا. شكرا فاطمة. مدام أندا، مدام فاطمة posé une question très pertinente. Et il a mis l'accent sur la femme parce que avant d'être la présidente du conseil, il était d'abord responsable des actions relatives à la femme syndicale à l'UNTM. Donc il a dit que la femme c'est le maillon le plus faible de cette chaîne là et qu'elle est la plus vulnérable bien sûr à cette crise. Et la question il va se poser, c'est que il a, durant cette période, il a accompagné bien sûr la femme à la prémunir de ces dangers, non seulement des actions au niveau syndical, au niveau parlementaire, au niveau du ministre de la Santé, ministre de l'Emploi aussi, pour pouvoir bien sûr donner de l'importance à la femme. Maintenant, la question qui va se poser aussi, c'est après la levée du confinement, il y a des secteurs qui sont les secteurs informels. Informels, yes. Voilà, les secteurs informels, qui, là où la femme travaille, il travaille dans des conditions très précaires, où toutes les normes de santé et sécurité sont absentes, presque absentes. Donc, bien sûr, il parlait, quelles sont les mesures à entreprendre, bien sûr, après le confinement, pour pouvoir, bien sûr, protéger cette classe ouvrière qui est la femme. Oui, cher collègue, bien sûr, je ne sais pas si vous avez entendu le début de notre discussion, parce que j'ai dit que une partie la plus vulnérable de cette épidémie, ce sont les femmes. Oui. Et les immigrants. Donc, maintenant, vous me demandez par rapport à la position de la femme après la sortie de l'épidémie. Et, chers collègues, c'est clair, c'est tout à fait clair. La femme, les femmes travailleuses, les femmes ne peuvent pas être une partie différente des luttes. La femme et les femmes travailleuses, les travailleuses de partout dans le monde, sont une partie de la classe ouvrière. La femme, c'est une partie, les femmes, ce sont une grande partie de la classe ouvrière. Donc, la femme doit aussi prendre partie aux luttes avec ses collègues, avec les hommes collègues, avec eux, et sous les mêmes bandières, sous les mêmes conditions, sous les mêmes demandes. Et bien sûr, je comprends qu'il y a des femmes qui n'ont pas le même degré de conscience avec les autres travailleurs, si vous voulez. Ça, c'est une obligation, c'est un devoir des syndicats. Comment on va élever le degré de conscience des femmes? Il y a seulement une méthode, éducation, chers collègues. Il faut éduquer les femmes, il faut parler aux femmes, il faut les faire comprendre qu'ils ont les mêmes droits avec les hommes, les collègues hommes. Il n'y a pas de différence entre les travailleurs hommes et les travailleurs femmes aujourd'hui. Il n'y a pas. Donc, il faut élever le degré de conscience à travers la formation syndicale, à travers la formation quotidienne, avec les mêmes demandes, dans les luttes, il faut se lutter ensemble. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. Maintenant, concernant, bien sûr, ce sont les syndicats nationaux qui connaissent la situation dans leur pays et d'une meilleure façon. Nous, la FSM, nous connaissons l'image générale qui nous arrive à travers les syndicats membres.
Mais pour nous, pour vous au Maroc, vous, la UNTM, vous connaissez mieux quels sont les besoins des femmes et quelles sont les façons à travers lesquelles vous allez aider les femmes pour s'inscrire au syndicat, pour avoir cette formation, éducation syndicale. Vous, les syndicats nationaux, connaissent mieux la situation. C'est évident, ça. Nous ne sommes pas des professeurs, si vous voulez, de vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Et nous avons seulement des programmes, nous avons des suggestions, nous avons des propositions. Et si quelqu'un nous demande une autre aide, on va le donner. Mais c'est vous qui vous êtes les experts. Vous connaissez mieux. Et concernant le secteur informel, je viens de répondre aux collègues avant votre question. J'ai déjà répondu à la question. Oui. Merci infiniment, madame. C'est très gentil de votre part. Merci. Je suis très contente de vous revoir après Genève. Moi aussi. Merci. Merci. واخا قبل ما شكرا انا فاطمه ميرسي بوكو كاين شي سؤال واحد اخر سيد حموني انس عندك شي سؤال الى ما كانش سيدو نبي با دي كيسيون جو ليسري لو مو دو فان ا مسيو زويتن بور كونكلور اي فو تيرمينري مدام اندا aussi en espérant bien sûr réitérer ce symposium c'est زويتن مرحبا تفضل شكرا سي حسن شكرا للاخوه ميرسي je tiens à vous remercier madame Anda et madame Bourti de la fédération syndicale mondiale et je porte à votre connaissance que le Maroc maintenant est en cours d'appuyer l'arsenal législative et organisatrice et organisationnelle et exécutive de la question syndicale et de loi de grève. Maintenant, la deuxième chambre du Parlement est en train de discuter le projet de loi de grève, le droit de grève, et entre nous, les syndicats et le ministère des droits, le ministère du travail. Le gouvernement, nous sommes en train de maintenant de discuter le projet de loi des syndicats et le projet, c'est le même projet de loi des travailleurs et des travailleurs, les syndicats et aussi les entrepreneurs. Et nous espérons, mesdames, d'organiser d'autres activités d'échange, d'expérience et des bonnes pratiques. Soit de la Fédération syndicale mondiale ou aussi des expériences réussites et les bonnes pratiques de notre syndicat. Et Marathon Okhra, نتمنى التوفيق ونتمنى النجاح للحركة النقابية العالمية بصفة عامة لمجابهة هذه التحديات وللخروج إن شاء الله الرحيم من هذا الوباء ومن هذا الحجر ومن هذا التوقف للنشاط الاجتماعي والاقتصادي الى يعني فضاء الى انشطه يعني افضل والى يعني ظروف احسن بالنسبه للشغيله وبالنسبه لسكنه العالم وشكرا للمنظمين وشكرا للاختين كذلك وشكرا كذلك للاخوه اعضاء المكتب ورؤساء النقابات الجامعه وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا سي زويتن دونك مدام اندا كوم il vient d'être dit par monsieur Zuiten donc ça a été explicite en français mais il a espéré dans son mot de fin à ce que le mouvement syndical soit à l'heure c'est-à-dire que il sera affronter après le Covid, c'est-à-dire après la crise sanitaire, de pouvoir travailler dans des conditions meilleures. Et bien sûr, il a rappelé au départ que actuellement, on est en train de préparer, bien sûr, des lois relatives
bien sûr, à des syndicats et à la grève, et que nous espérons, bien sûr, partager nos expériences dans des nouvelles réunions ou rencontres internationales. Et nous espérons que le mouvement syndical soit à l'heure, c'est-à-dire que, bien sûr, travaille au profit de la classe ouvrière. Et bien sûr, en espérant qu'on sort de cette crise fort et sain, de cette crise sanitaire. Je vous laisserai, Madame Anda, bien sûr, le mot de fin avant de clôturer. Merci, merci, chers collègues. Merci beaucoup. Et nous aussi, nous espérons qu'après la pandémie, nous pourrons améliorer nos degrés de lutte. Et nous espérons aussi que les demandes qui vont être promues par nos syndicats vont être des demandes contemporaines et qui vont couvrir les besoins et juste et des travailleurs et de la famille ouvrière. Et nous espérons aussi qu'on pourrait se rencontrer de nouveau au Maroc avec l'UNTM afin d'organiser l'activité qu'on s'est mis d'accord au mois de décembre pour célébrer l'anniversaire de l'AFSM, le 75e anniversaire de l'AFSM, à un moment opportun pour vous, c'est-à-dire nous aurons aussi l'occasion plus détaillée, si vous voulez, de discuter avec sur toutes ces questions et d'autres, bien sûr, d'une façon plus prolongée. Et je voudrais aussi vous remercier de la part de l'AFSM pour la solidarité de la UNTM à l'AFSM et pour votre soutien. Et la porte de l'AFSM est toujours ouverte à ses membres. Et le siège est toujours là pour écouter vos plaintes, et vos propositions, vos idées, vos suggestions. Et tout ce que vous voulez communiquer à l'AFSM, notre porte est toujours ouverte. Et pour conclure, je voudrais vous féliciter tous parce que, à travers vos luttes, à travers les luttes pour les droits démocratiques et les libertés syndicales, vous contribuez aussi à la question de la paix, parce que c'est un enjeu aujourd'hui. Toutes ces colères et ce mécontentement, ce sont des menaces contre la paix internationale. Je vous souhaite bonne santé, bon courage à vous, à vos familles, à tous les membres affiliés de l'UNTM. Et j'espère de vous rencontrer aussi et de proche, pas à travers l'Internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Merci, Anna. Merci beaucoup, Madame Maria. Et, malheureusement, Monsieur le Secrétaire général n'a pas pu être libéré. Donc, il vous passe le remerciement aussi, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Hallote Abdelilah. Et restons en contact. Bien sûr, ce qu'on a déjà prévu d'organiser un petit peu le 75e anniversaire AFSM, on le fera une fois le confinement sera levé, une fois la crise sera levée. Et restons en contact, surtout pour le Madame Anda, ce qu'on a dit pour le secrétaire général de la zone ferroviaire, Monsieur Lhabib, de nous donner contact avec le responsable à la FSM pour pouvoir bien sûr lier. Merci beaucoup encore une autre fois. Nous espérons organiser une autre fois une réunion qui apportera beaucoup de un plus à l'humanité surtout et à toute la classe ouvrière. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que ça va? Le lien, le lien du vidéo. Le lien du vidéo. Vous voulez la voir? Parce que vous avez mis sur l'affiche que ça va être montré sur le Facebook. Alors il y a d'autres membres de l'FSM qui parlent français et qui voudraient le suivre. Je ne sais pas, c'est déjà sur le Facebook ou pas encore? Non, c'est pas sur Facebook, mais l'enregistrement, il est fait par l'administrateur. On peut vous les envoyer, d'accord?
on va vous l'envoyer. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. شكرا سي زويتر شكرا الاخوان جميعا سي رضا سي حبيب مدام فاطمه كنشكرك بزاف تبارك الله والله الا فاتتني هاد الفرصه زعما ما بقيتش مذكره التوقيت للاسف السلام عليكم تبارك الله سي مزدرا تبارك الله عليك شكرا اخويا سي حسن تبارك الله عليك شكرا راني انا تتكلف لي بهذاك غنتكلف لك صافي اخت فاطمه بخير الحمد لله سي راني الله يجازيك بخير الحمد لله الله يجيبكم الله يجيبكم على خير ان شاء الله الله يفرج الله يفرج الله يفرج فاطمه امين امين اخي الله يجازيك احنا عندنا اخوان واخوات هذا الله ربي معاكم ربي معاكم والله الا ماشي الحمد لله الله يجازيك الحمد لله في كل خير في كل خير الحمد لله شكرا سي مستدرك تبارك الله عليك انت رائعا غير اللي تبعك تبارك الله عليك الله يسلمك سامون عين لاباس عليك سامون عين سامون عين كيف حالك تبارك الله عليكم شكرا سي عبد تمام سامون عين في طريق مستدرك القياده هاتي ليا صحيح كيف الحال يا طيب؟ الله يجزاك خير. 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 الله يجزاك الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك كاين اخوان اعضاء المكتب الوطني ديال الجامعه راه حاضرين معنا هنايا يلا السلام عليكم